Vendredi 19 avril 2019, bienvenue à cette édition. À la suite du centre ecclésiastique numéro 5, le centre numéro 1 des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a procédé ce mercredi à l'imposition de mains sur une vingtaine de pasteurs qui sont désormais titularisés. C'était à Bobo-Dioulasso et nous aurons les échos de cette cérémonie avec Moïse Kinda et Delouin Dessoré. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkwega. Le centre numéro 5 des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a procédé dimanche dernier à la cérémonie de titularisation de plus de 90 pasteurs par l'imposition des mains. Retour sur cette cérémonie avec les images de Jonas Tondé. Après 3 ans de formation dans les écoles bibliques et 6 ou 7 ans de stage dans les églises des Assemblées de Dieu, voici de nouveaux pasteurs recevant une imposition des mains. Laquelle imposition les consacre une fois pour toutes pasteurs titulaires au sein des AD, pouvant désormais accomplir des tâches telles que la célébration de la Sainte Cène, la consécration des nouveaux-nés, la célébration des mariages et bien d'autres choses. Pour le coordinateur du centre ecclésiastique numéro 5, comprenant 13 régions selon le découpage des AD, ce sont des sentiments de joie que de voir des hommes se dévouer à l'œuvre du Seigneur. Ayant reçu l'imposition de main, qui est simplement un envoi à mission, une commission pour œuvrer pleinement au sein des Assemblées de Dieu en tant que pasteur. Ce qui est attendu d'eux, c'est de nourrir le troupeau de Dieu par la parole de Dieu, sa prédication, son enseignement. C'est également aider le peuple de Dieu à être sanctifié. C'est également aider le peuple de Dieu à s'investir dans le développement communautaire, dans le développement du pays, dans ce que nous appelons l'évangile holistique. Le docteur Saba Salam, tout en rappelant les fondamentaux des Assemblées de Dieu, n'a pas manqué de prodiguer des recommandations et des conseils à ses pasteurs désormais titulaires. Dans les villages, arrondissements, soyez des porteurs de paix, soyez des messagers de paix. Vous devez travailler à la cohésion sociale. Vous devez être un modèle du vivre ensemble. C'est votre mission en tant que pasteur des Assemblées de Dieu. Vous, en tant que pasteur des Assemblées de Dieu, vous devez marcher sur notre doctrine. Connaissez notre doctrine. Ce sont plus de 90 nouveaux pasteurs titulaires que le centre numéro 5 vient de déverser à l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour la grande commission de Christ qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Voilà donc, à la suite du centre numéro 5 des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à Bobo-Dioulasso, mercredi dernier, a eu lieu à l'église des AD de Colma la cérémonie de titularisation de 20 pasteurs du centre numéro 1 des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le reportage est signé Moïse Kinda de Luende Story. Ce sont au total 20 pasteurs et leurs épouses qui ont été consacrés à Dieu à l'occasion de cette cérémonie d'imposition des mains. Organisée chaque année par l'Église nationale, cette cérémonie est coordonnée par les responsables du centre
au centre numéro 1 qui regroupe Banfora, Bobo Nord, Bobo Sud, Diebougou, Gawa, Oundé, Karangasso, Vigué, est dirigé par le docteur Jean-Baptiste Rwamba, membre du Conseil général des Assemblées de Dieu, et pour des raisons sociales, il n'a pas pu faire le déplacement sur Bobo du Lasso. C'est le pasteur Michel Ouedraogo, président du Conseil régional de Bobo Sud, également coordonnateur adjoint, qui a présidé à la cérémonie d'imposition des mains, accompagné des présidents des sept régions. Un comité d'organisation a été mis en place 6 mois avant la cérémonie pour réfléchir et pouvoir préparer cette rencontre annuelle des pasteurs du centre numéro 1. C'est depuis 6 mois environ que nous avons commencé à nous retrouver pour d'abord recenser les pasteurs qui doivent recevoir, qui ont l'âge et qui pourront recevoir l'imposition des mains aujourd'hui. Alors nous entretenir avec eux et voir comment nous allons nous organiser. Okay, nous avons eu 20 pasteurs qui ont reçu l'imposition des mains, mais en fait c'est 19 couples et un célibataire. Mais pour ce qui concerne notre logiciel, nous avons pu enregistrer 335 pasteurs qui sont venus de cette région-là, mais il y a d'autres qui ne sont pas enregistrés. Sinon, nous étions autour de presque 400. Mais il y a 335 pasteurs qui ont été officiellement enregistrés, qui ont reçu des badges, comme je reporte. Les premiers responsables du centre numéro 1 ont voulu la solennité de cette cérémonie, mais aussi un cérémonial à l'image des sorties des écoles bibliques. Et je voudrais vous dire que le centre numéro 1 regroupe 7 régions. Et donc c'est titulariser la Vienne de ces 7 régions, une vingtaine de pasteurs. Nous sommes vraiment très heureux et je voudrais tirer mon chapeau au comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort, qui s'est battu depuis l'année dernière pour que nous puissions avoir une cérémonie de cette taille. Bon, si vous voyez cette beauté, elle est due en fait au comité d'organisation à qui franchement je tire mon chapeau parce que l'idée nous est venue de ne pas, après 6 années, l'on vient s'asseoir, on vous impose les mains comme si c'était pour une délivrance ou bien pour une guérison et puis c'est tout. Non, c'est un sujet de joie. Et nous avions voulu qu'avec l'uniforme, le comité même d'organisation s'est mis en uniforme, que les pasteurs, les présidents se mettent dans des vestes ou bien bon, dans des costumes pour donner un éclat particulier à la cérémonie. Parce que ce n'est pas une cérémonie funèbre, mais c'est une cérémonie de joie, de reconnaissance de 6 années de ministère exercé dans la douleur, dans la joie. Et je crois que ce jour-là, nous devons donner la joie à tout le monde. L'une des armes qui fait la force de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est la place qu'elle accorde à la formation et l'enseignement. Loin d'être un divertissement, la formation continue est une sorte de colloque des pasteurs des Assemblées de Dieu du Burkina, un laboratoire de découverte et d'expérimentation. C'est à cette occasion que des pasteurs reçoivent aussi la titularisation à travers l'imposition des mains. Et ce sont le docteur Simon Ramdé et le pasteur Lévi Ouedraogo qui étaient les formateurs au niveau du centre numéro 1. Ce thème a été choisi dans le cadre du centenaire. Donc à l'aube du centenaire, il est important que les pasteurs et les églises puissent connaître l'histoire, parce qu'une personne sans histoire est une personne sans identité. Donc si on ne connaît pas notre histoire, on est voué à une déviation. C'est dans ce sens que ce thème a été choisi et ce thème a été divisé en 4 grandes parties. Nous avons vu dans ce parcours qu'il y a des pionniers qui se sont donnés. Il y a des gens qui ont quitté les États-Unis pour nous apporter la parole de Dieu. Et cela doit être un modèle pour nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on affecte des gens dans les villages, c'est difficile qu'ils partent. Donc, mais le sacrifice, le service, l'amour, l'abnégation,
l'engagement que les premiers missionnaires ont eu et que nos pionniers autochtones ont eu pour apporter la parole de Dieu dans toutes les contrées du Burkina Faso est un modèle pour nous. Donc aujourd'hui, si l'église des Assemblées de Dieu est une grande église au Burkina Faso, il y a des gens qui se sont sacrifiés et nous devons les prendre pour exemple. Et au-delà de ça, nous voyons la main secrète de Dieu qui a conduit le processus de l'église jusqu'à nos jours. Les lauréats sont les étudiants ayant terminé leur formation dans les écoles bibliques en 2012. Ça n'a pas été très facile parce qu'un stage reste un stage. Il faut être obéissant, il faut être soumis aux responsables. Il faut écouter les conseils, il faut faire ce qu'on te dit. Et donc pendant 6 années, j'ai été avec, trois pasteurs différents. Voilà pour le stage. Et maintenant, je suis dans l'église où nous avons commencé l'œuvre à Mondon. Bon, notre projet, c'est d'élargir le royaume de Dieu et en évangélisant, en priant pour les gens et en gagnant beaucoup d'âmes pour le Seigneur et en ouvrant beaucoup d'églises et pour la gloire de notre Dieu. Ceux qui sont sortis des écoles bibliques en 2013 sont les candidats pour 2020. Si Christ tardait à venir. Nous souhaitons donc beaucoup de courage à ces pasteurs désormais titulaires. Hors de chez nous, déjà plus de 8000 personnes ont été touchées par l'épidémie chikungunya en République démocratique du Congo depuis les premiers cas détectés en janvier. Dans la partie sud du pays, cette maladie provoquée par un moustique et qui présente le même symptôme que le paludisme semble se propager assez rapidement. Déjà plus de 8000 personnes touchées par l'épidémie de chikungunya en République du Congo. Depuis les premiers cas détectés en janvier dans la partie sud du pays, cette maladie provoquée par un moustique et qui présente les mêmes symptômes que ceux du paludisme ne cesse de se propager. Après plusieurs analyses sur l'évolution du chikungunya au Laboratoire national de santé publique, les nouvelles en provenance du sud sont loin d'être rassurantes. Nous avons donc pu découvrir qu'en fait, il y avait non seulement le département du Kwilu, mais celui de Pointe-Noire, la ville océane, le port d'entrée maritime du Congo, où pratiquement tous les quartiers avaient des cas de chikungunya déjà. Ensuite, les départements plus à l'intérieur du Nyari, avec la ville de Dolisie notamment, de la Bouenza, du Poul et de Brazzaville, nous recevons des cas que nous avons confirmés positifs. Nous avons des signaux d'alerte provenant d'autres parties du pays. Les responsables du Laboratoire national de santé publique conseillent aux populations de prendre des mesures, notamment l'utilisation de la moustiquaire en vue de faire face à cette épidémie encore appelée palurobo au Congo. J'ai appris que le chikungunya faisait rage du côté de Pointe-Noire. Ici, il n'est pas encore beaucoup connu. Nous invitons donc toutes les personnes qui ne se sentent pas bien à se rendre à l'hôpital pour se faire examiner. Peut-être qu'il s'agit de cette maladie, ils doivent aller voir le médecin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le chikungunya, qui existe depuis 1952, a été identifié dans plus de 60 pays d'Afrique, d'Europe et des Amériques. La proximité des sites de reproduction des moustiques avec l'habitat humain est un facteur de risque significatif d'infection. En France, des centaines de manifestants se sont réunis au quartier de la Défense à Paris pour dénoncer ce qu'ils appellent une alliance toxique entre États et multinationales comme Total ou encore la Société Générale. L'endroit est symbolique, le quartier des affaires de la Défense à Paris. Plusieurs centaines de militants écologistes s'y sont retrouvés pour dénoncer ce qu'ils estiment être une alliance toxique entre États et multinationales, dans une ambiance parfois tendue. Total, EDF ou encore la Société Générale sont accusés d'être le moteur du réchauffement climatique. La Société Générale est vraiment dans le cœur du sujet et ça devrait être beaucoup plus impactant pour eux. Tout l'argent qui est mis dans dans 11 millions dans les énergies fossiles, pourquoi pas les mettre dans les énergies renouvelables ?
Trois ONG, dont Greenpeace et les Amis de la Terre, sont à l'origine de ce rassemblement. Durant plusieurs heures, l'accès au bâtiment a été rendu impossible. Pour moi, c'est une prise d'otage. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pour les gros faces. Moi, j'ai envie de rentrer, j'ai envie d'aller travailler. Et voilà, là, on est pris. On est coincé, on peut rien faire. Malgré les jets de gaz lacrymogène, les militants n'ont pas évacué le parvis de la Défense avant plusieurs heures. Le ministre de l'écologie a de son côté estimé qu'il se trompe d'ennemi en accusant le gouvernement. Et puis une nouvelle mise en examen s'annonce pour Carlos Ghosn, le patron déchu de Renault, toujours en garde à vue à Tokyo. Il devrait être inculpé lundi prochain pour abus de confiance. Une probable nouvelle mise en examen pour Carlos Ghosn, le patron déchu de Renault et de Nissan, toujours en garde à vue à Tokyo, au Japon. Le bureau des procureurs devrait le mettre en examen lundi pour abus de confiance, l'accusant d'avoir détourné des fonds de Nissan. Il est soupçonné d'avoir utilisé une ou plusieurs entreprises coquilles vides pour faire passer des fonds émanant du groupe Nippon vers une société d'investissement détenue par son fils Anthony. C'est ce qu'affirme la chaîne publique NHK, citant une source proche de l'enquête. Le jeune homme de 24 ans pourrait d'ailleurs être entendu à son tour par la justice nippone. Plusieurs recours pour la libération de Carlos Ghosn ont été déposés par son avocat, qui parle de détention illégale, mais en vain. Aussi, en Irlande du Nord, une journaliste de 29 ans a été tuée par une balle dans la nuit de jeudi à vendredi par un tueur qui avait pris pour cible des policiers. Des affrontements ont éclaté en Irlande du Nord dans la nuit de jeudi à vendredi. La police a été la cible de tirs et de jets de cocktails Molotov au cours d'une opération de sécurité ici dans le quartier de Cregan à Londonderry. Une journaliste âgée de 29 ans a été tuée. Sa mort est traitée par la police comme un incident terroriste. Malheureusement, jeudi soir à 23h, un homme armé est apparu et a tiré plusieurs coups de feu en direction de la police. Lyra McKee, une jeune femme de 29 ans, a été blessée. Elle a été conduite à bord d'une voiture de police jusqu'à l'hôpital, mais malheureusement, elle est morte. Nous pensons qu'il s'agit d'un acte terroriste. Nous pensons que cela a été commis par un républicain violent. Notre enquête se tourne pour l'instant du côté de l'organisation Nouvelle IRA. La Nouvelle Armée républicaine irlandaise est un groupe terroriste formé en 2012 qui milite pour une Irlande unifiée. Côté réaction politique, la chef du DUP, le parti unioniste nord-irlandais, a condamné les faits et parlé d'un acte insensé. Même condamnation du côté du Sinn Féin, le parti nationaliste irlandais. Le décès de la jeune femme a été qualifié d'attaque contre toute la communauté et contre l'accord du Vendredi Saint, accord signé en 1998 et qui a mis fin à la période dite des troubles, qui a fait 3500 morts entre républicains catholiques et unionistes protestants. C'est vendredi et comme tous les vendredis, nous méditons ce passage de Jean, le chapitre 17, où tout se passe juste quelques instants avant l'arrestation de Jésus, une arrestation qui conduira le Fils de Dieu à la croix pour nous. Il leva les yeux vers le ciel et demanda au Père de glorifier son nom à travers lui, de garder ses disciples unis et de veiller sur eux afin qu'ils fassent connaître son nom à toute la création. Après quoi, cap sur le jardin de Gethsémané où Jésus s'est entièrement livré au Père pour accomplir sa volonté. Gethsémané où tout s'est décidé pour que nous soyons sauvés, sanctifiés et régénérés. La croix n'est que la finalité du sacrifice de Christ. Son sang a coulé pour nous racheter et par ce rachat, nous sommes réconciliés avec le Père et avec nous-mêmes. Recevons donc Jésus le crucifié en ce jour. Excellente fête pascale à toutes et à tous. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.